Et salut à tous les gars, les filles aussi, j'espère que vous allez très bien. Nous on commence une nouvelle journée sur Shanghai, la 20e journée. Vous avez bien kiffé la vidéo d'hier, j'ai vu vos commentaires ce matin, voilà, c'est super cool. Nous aussi on a bien aimé. Aujourd'hui, réveil carrément difficile, là j'ai la tête qui va exploser. Je pense que ça ira mieux après le petit repas du midi là. Et on continue dans la même lancée cet après-midi, donc on se voit après le repas. Ou pendant, enfin, on se voit bientôt, tout de suite. Pas le moment de dormir. Si, allez-moi quand ils amènent le plat. Explosé. Et voilà, il est un peu plus de 14h et nous voilà partis pour à peu près une heure de métro pour aller dans le sud de Shanghai pour rejoindre une copine. Donc on descend dans un quartier qu'on connaît pas du tout, qui est le Songjiang University Town. Il y a tout le monde qui descend par là, donc ça doit être un petit pôle, un petit truc actif. Donc voilà, ça va nous faire un petit coin de Shanghai à visiter, les amis. Je vous amène dans un endroit complètement inconnu. Ça sent bon. Ça sent la fraise. Mais non, c'est pas possible. Bah ouais, mais le facteur, il ferait pas ça. Les colis d'Amazon et tout. Tu crois vraiment que le facteur, il viendrait, il déposerait tout là, les gens, ils viennent se chercher leur colis? Ah, c'est pas possible. Ah, regarde, vous posez là. Bizarre. Vraiment bizarre, c'est ça. On a une gueule d'étudiant là, non? Non? Ça le fait? Pas vraiment. Oui. Donc, on a rejoint notre ami et en fait, quand on était sur la route en taxi, on a vu un temple en passant qui avait l'air super sympa. Donc, on lui a demandé. Elle connaît le temple, elle y est jamais allée. Donc, on va y aller ensemble avant que ça ferme, parce que là, il est déjà presque 4 heures. Et après, elle nous fera visiter l'université. Donc très très bien. What is your name? Wow. Hi, my name is Fiona. Fiona. And your And Chinese my name? My Chinese name is Innoa. Innoa. Yeah. Perfect. Nice to meet you. Ah ouais, ok. En fait, c'est un énorme campus. Et là, bah, c'est la partie où il y a les terrains de foot, terrains de basket et tout. Il y a plein de jeunes qui sont en train de jouer. C'est cool. On trouve un endroit sympa là. En fait, l'université, elle est vraiment énorme parce que là, on vient de tout là-bas. Ouais, là, c'est un campus. Puis là, ça continue tout là. Ben, c'est très très grand. Et une copine de notre copine qui nous a rejoint. J'ai oublié le prénom. You want to read Chinese today? Yes. Il m'a demandé si je voulais lire du chinois. Bien sûr. Là, c'est la librairie. C'est la librairie. C'est énorme. Par contre, on n'arrivera jamais au temple si on continue à marcher à cette vitesse. Faut leur dire. C'est très bien. Bah écoutez, petite promenade calme pour un bon dimanche. Là-bas, ça a l'air super joli, les petites maisons rouges là. Bah, je crois que c'est le temple. Ouais, un cosplay. Waouh. Ouais, très très beau ce mur, les amis. Sûrement qu'en soleil ça rendra encore mieux. Mais c'est quand même super dimanche, c'est très agréable. Si c'est pas un romantique, c'est Rick. Ah non, mais c'est un nom. Érable. Maipo. Maipo. The flag of Canada. Ah, yeah. Right. Ah oui, le drapeau du Canada. Ah oui. Yes. Maipo. D'accord, ils sont en train de construire une sorte de petit complexe là avec des bâtiments sympas. Ça sera sûrement un petit truc touristique par la suite. Mais vous pourrez pas le voir maintenant, c'est en construction. Plus tard. Une Peugeot 307 à Shanghai, écrit en chinois. Ça rend une belle photo quoi. Franchement, pas mal. Pas mal. Le liquide de refroidissement. Siège en pelouse. Ça y est, on a fini le petit village.
C'était super sympa, on a passé un bon moment, on s'est bien promené. C'était cool, on a pu papoter encore pas mal. Et là du coup, on va aller à l'université. On fera un petit tour dans l'université et puis là, ils vont nous amener manger, je sais pas où. It's China University of Political Science and Law. Yes. Oui. C'est l'université de Chine de politique, de sciences science. Et de loi. What? Sciences, politique et loi. Il y a même un petit lac et tout. Il y a plein de bâtiments. C'est un campus à l'américaine quoi. Sauf que là, c'est des Chinois. C'est super cool. Donc ça, en fait, c'est les dortoirs. On arrive là où tu... Oula, il y en a plein derrière. Là où tous les étudiants, ils dorment. Et il y a plein de bâtiments. Encore perdu aujourd'hui. Juste après les dortoirs, elle nous amène en fait dans la rue où tous les jeunes vont là pour manger, une petite rue vachement animée. Voilà. Ah, il y a plein de jeunes. C'est par là. C'est par là qu'elle dit. Donc là nous voilà dans un restaurant japonais. Oui, encore japonais. Vous avez demandé qu'est-ce qu'on préférait, ben, on adore manger japonais. Ils font de la très bonne bouffe les japonais. Si on peut manger japonais, on mange japonais. Sauf que là on est dans un quartier universitaire donc il n'y a pas du tout de touristes. Donc là les, si on veut choisir les menus, on, ça correspond pas avec les photos ou quoi. Voilà. Donc elle nous traduit et tout, puis elle commande avec nous en chinois. Ça va être des sushis ce soir. Des sushis ce soir, c'est dur à dire des sushis ce soir. Et nous on a quand même pris du riz en plus avec une bonne assiette de riz s'il faut qu'on mange. Ah ouais. Right. Wow, vous avez vu cela comme il déboîte. On vient de terminer de manger, c'était très très bon. Et là donc on va l'accompagner, elle va en fait réviser une pièce de théâtre qu'elle fait avec des amis à elle par rapport à l'université et tout. Donc on va l'accompagner, on va regarder un petit peu ce qu'elle fait là-bas et tout. Let's go. On va là dans un street food. Nihao. Introduce yourself. Okay. My name is Vincent. You can call me Vincent. Mm-hmm. So what's your name? Lawrence. My name is Lawrence. Lawrence. And yeah. Rick. Rick. Okay. Rick. Rick. Lawrence. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. 浓情蜜意了，现在已经。 C'est vraiment de la bombe le taxi ici. À Shanghai déjà ça coûte rien. Là on vient de prendre le taxi, il fait nuit. Ça nous a coûté moins de 2 euros pour rejoindre le métro. Et en plus comme il conduit c'est énorme. Les feux rouges ça n'existe pas, il va à 2000. C'est super. Ni hao. Ni hao. Mani. Video camera. Come on. Ah mais là je suis d'accord avec toi. Non mais là autant des fois bon il faut pas trop le dire mais là je dois le dire quand même. Ce métro il est nickel. Regardez il est par terre. Shanghai est une ville regardez. Très propre. Regardez, des caméras partout, le plafond, toutes les lumières marchent. Ouais, c'est important. Les écrans, il n'y a pas une seule rayure, pas un seul tag. Donc voilà, journée très très agréable, on vient de regarder la petite vidéo, donc là on vous fait le petit out. Bah, pour vous dire qu'on a passé une très bonne journée, c'était un dimanche somme toute reposant. Somme toute. Tout à fait, somme toute. Très bien. Parce que des fois c'est important de se reposer. Très bien. Et voilà, donc il nous reste une dizaine de jours sur Shanghai, on va encore bien profiter. Voilà, plein de choses à faire encore. Voilà, je vois tous vos commentaires, je vois que vous kiffez grave aussi comme nous. Donc voilà, je suis très très content que ça vous plaise. Et voilà les amis, on continue l'aventure demain, improvisation comme d'habitude. Total. Total. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis salut. Hasta la vista! It's rough. Wow. Good? La petite pause de manger du soir. Eh oui.